Sub-Zero Project va dégouliner. Bon ben on est. Oh putain, il y a quelqu'un qui a perdu son téléphone sur le lift. Bon ben on est reparti pour un tour. Hein. Cœur sur le parc. Parc Astérix fin de saison. Osiris, bien sûr, parce que comme il est en nylon, on a envie d'en profiter. Après, vous connaissez bien le ride. Est-ce que j'ai besoin de vous le montrer celui-là? Non? On se le garde pour de nuit? Oui, voilà. On se le garde pour de nuit. C'est n'importe quoi, mon nom! Romain, fais quelque chose! Romain! Aïe aïe aïe. Bon ben on va se taper un bon ride pluvieux. Et une pensée pour le maquillage qui risque de se barrer en plein ride. Allez, préparez-vous. Je vais avoir mal aussi. Préparez les. Préparez les visières. Ah mon dieu, c'est quoi ça? Wouhou. Aïe 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 aïe. Loop. Ouais. Oh mon dieu, c'est horrible. Airtime. Le pire c'est qu'il est quand même chaud. Oh mon dieu, c'est horrible. Black spin. Aïe. Mais en plus on se prend des retours du dessus du train quoi. Airtime. Zéro Jérôme. Seatbelt. Enlevez vos ceintures. Merde, la ceinture. Ah non mais là on est... Ah ouais, la pluie fait mal. J'aurais dû amener du gel douche. Ça... Il a le train, hein. Et si chaud que ça? Ouais, quand même.
J'avoue, il engloutit bien. Donc la pluie n'empêche pas le coaster de fonctionner. Non. Par contre, c'est vraiment pas agréable à rider là comme ça. Ah, c'était horrible. Et du coup, on ne sait pas quoi faire. Là, Osiris, c'est trop insupportable. Il pleut partout. On sait pas où on va, mais on y va. On marche. Là, on est clairement on va essayer de trouver les toilettes. Là, on est clairement des visiteurs errants dans le parc. Qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas. Quelle attraction va-t-on faire après? Parce que là, c'est horrible. On va vraiment attendre que la pluie se calme. J'avoue, j'ai l'impression que ça sert à intensifier. Ah non, c'est ce qui tombe de là-haut. Bon, ben voilà, on a trouvé quelque chose à faire sous la pluie. Oui. Goût du Rix. Nous sommes des malades parce qu'on ne devrait pas tenter de faire mouiller sous la pluie. Ça mouille. Putain, la pluie, c'est pas de la petite pluie. Mais il repleut fort, bordel. Il pleut moyen, là. Et on est au last. Aïe, 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 aïe. C'est très agréable de rider comme ça. Vraiment. C'est une horreur, je préfère rien. Pourquoi on a fait ça? Putain, c'est ma faute en plus. Oh la vache. Ah ça... Ça pleut vraiment fort là. Allez, dépêche-toi de monter là. Saloperie de Vekoma. C'est trop ça. Aïe 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 aïe. Dès qu'il prend de la vitesse, tu sens que ça pleut. C'est horrible. Oh putain. Aïe. Oh putain de merde. Aïe 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 aïe. Batwing, aïe! C'est horrible! Aïe! J'arrive même pas à crier des noms d'aversion! Ouais, ça pique! On est au corkscrew là! Oh, aïe aïe! Non, bizarrement, on arrive à esquiver les pattes! Virage de merde, attention là, ça fait mal! Mais en fait, on s'est tellement crispé à cause de la pluie que finalement on n'a pas eu les baffes. Je suis tellement calé que j'ai rien senti. Là pour une fois, j'en ai pas pris. On était tellement pas concentré sur les baffes quoi. Goudu ne m'a même pas tapé. Comment c'est possible ça? Non, par contre, j'ai dispatch là. Non, 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 non. Chaloperie de veut comment? Quelle saleté de machine! Non, mais c'est comme. Là aussi j'aurais Je veux sortir d'ici. Je veux sortir tout de suite. J'ai pas envie de finir avec une bonne migraine. C'est la machine à migraine ça. Machine à baffe migraine. Aïe aïe aïe. Oh. Laissez-nous à l'abri, vite. C'est chiant hein. C'est parti. Ok les goûts. Et non, vous ne rêvez pas. On fait Zeus de nuit. Ça faisait très longtemps. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait Zeus et maintenant on va le faire de nuit. Allez hop. Je crois qu'il n'est pas du tout éclairé par contre. Dans le noir complet. In the full darkness. Welcome to your darkness. Non, c'est pas ça. This is the darkness. Pour l'instant là c'est agréable, hein. Il y a le lift, tout va bien. Et après on va souffrir. Donc on s'accroche. Et après je vais être mort. Voilà moi aussi. Ça parle de connaisseur. Ça parle de coaster derrière. Donc on n'est pas tout seul. Normal. Et à priori, le temps devrait tenir au moins toute la soirée. Wouhou! Ça va secouer, putain! Ouais, s'il est calme. Ah, c'est allumé! Ouais! Oh la vache! Oh putain! Oh, airtime! Wouhou! C'est bon! Ah, ouais, il est bon, airtime! Oh, il est chaud! Ouais! Wouhou! Ah, ça va, il accroche bien, putain! Ouais, il est par contre léger, latéraux! Comme d'habitude! Là, ça va être violent dans ce virage-là! C'est la zéro de rage! Aïe aïe aïe! Ouais. Ouais.
Il est arrivé vite sur les freins, j'ai trouvé. Oh, il arrive trop vite quoi. Il est arrivé rapidement. Oh, il est violent, là. On libère la dernière, j'ai fait 5, 4, 3, 2, 1. The Project. Non. La fume, au feu. Putain, on va se la prendre dans la gueule. C'est de la bonne. C'est de la bonne, colonel. Oh là. Putain, les gens sont chauds là, c'est quoi ce bordel? Aïe. On refait du Vekoma nocturne. Oula. Ça nous avait un peu manqué. Oula, le lift il a. Il a des à-coups assez étranges. Il y a des à-coups assez. C'est très. C'est. Ça accroche bien, mais. C'est tendancieux comme mouvement de train quand même, hein. Monsieur tendancieux. Mes enfants, vous étiez bien couchés, j'espère. Je vois Osiris. Je pense qu'ils sont à la taille du client aussi. Je pense qu'il va être bien chaud tout à l'heure, Osiris. Au moins, il pleut plus aussi. Ça, c'est bien. Et là, ça. Bah, déjà, au moins, ça reste comme ça, c'est parfait. Et là, c'est la migraine. C'est parti. Batwing! Oh la vache! Ouais! Le loop! Allez, loop! Oh là là! Airtime! Il a pas encore produit que ça, mine de rien! Ça va, l'air de rien! Corkscrew! Ok, bah il freine. Hey, il a pas beaucoup freiné. Il a pas beaucoup freiné. Ouais. Il patine dans les freins, Goudou. Wouh. On va s'arrêter là parce qu'il y a personne. Ah oui. Maintenant, c'est à notre tour d'attendre. Chacun son tour. Bon, mais celle-là. Bon, mais ça aurait été bien qu'on prenne une enceinte, qu'on mette un peu de musique là. Parce que là, on va patienter en zone de frein. C'est ça. Bon, on a deux zones ride de Goudou, ok. Bon, je vais le couper, lui. Hein. Je coupe la boucle. C'est clair que là, on est parti pour attendre longtemps en zone. Ils n'ont pas encore embarqué. Let's rise, Goudou Rix. L'ambiance. On improvise une trackard style. On essaye. Ah tiens, d'ailleurs, on peut dessiner sur le train avec la buée. Ah, mais je. Je voulais faire le logo Sub-Zero Project, mais. Essaye. Pas là, je vois rien. C'est fait celui D-Force, c'est hyper rigolo. Et celui D-Force, j'arrive pas à le faire, il est bien. C'est l'espèce de X un peu. Il est chelou celui D-Force, mais il est grave stylé. Ah, ça y est, ils sont en train. On attendra pas longtemps, ça va. Ça va, on va quand même pas tarder à repartir. Ça devrait le faire. Il y a pas trop froid là-bas. Non, pas froid. Bon, tout va bien. Juste plus de bois, mais. Je suis en train de j'attends de milquer la bois là. Attends, c'est pas fini ce nez. Il y a chaud. Y a pas d'ambiance, c'est trop mou. Est-ce que ça va? On va arriver avec du hardstyle. Là, ça va mettre de l'ambiance. Voilà. Ah. On veut sortir. Ah, j'entends le. Le chaud. J'entends le nylon. Oui. Oh putain oui. J'entends le nylon d'Osiris. Oh, il résonne. Oh là là, qu'est-ce que ça va être ce coffre. On fout le bol. Foutez-moi le bordel. C'est quoi stoppé. Foutez le bordel, colonel. On fout le bordel. Foutez-moi le bordel. J'y arriverai pas. Ils ont craqué les impulsions. Ils en peuvent plus. Et là, ils descendent tout seuls sans. Tranquille. Sans aucune roue de boost, t'as rien. Ouais. Oh, c'est stylé avec la fumée.
Bah alors, vous pas le bordel? Ça va? Ouais! On fout le bordel! Attends, il faut qu'il vienne par là déjà. Bordel! C'est le rugissement du monstre! Oh, c'est ce bordel! Ah, mais la tête dans le caisson! Ouais, y'a rien, putain! Au pire moment! Pire moment, y'a plus de basse, y'a plus rien! Oh, le bordel que c'est ce soir, Osiris! C'est n'importe quoi! Super intense, et ce n'est que le début! Passe trop vite. Le zéro Gérald aujourd'hui, mais vraiment quoi. Ah,
c'était un choc, quoi, tellement je m'attendais pas à une telle intensité. Déjà que j'ai été choqué par le first row samedi dernier, mais alors là, le zéro Gérol. C'est n'importe quoi. Il est trop intense ce soir. On le voit au loin qui prend le loop, mais à une vitesse hallucinante. Et regardez aussi, dispatch très rapide, et le train 3 qui n'était pas présent cet après-midi. Donc ils l'ont passé à 3 trains pour la nocturne. C'est la première qu'on voit depuis 3 ans. C'est le premier. Oh, on voit qu'il est très très chaud vu comment il freine. Éternel, me voici. Entamé le loop. C'est n'importe quoi ce train 2 aussi. Il l'a entamé super vite. Il a avalé les aversions comme il y a quelques semaines. Entendez ce rugissement et que vous voyez le train passer comme ça, vous savez que ça va être un excellent moment. Bien chaud. Il va être super chaud celui-là. Je suis dans un état pas possible. J'en ai tellement fait. J'aurais pas imaginé ça pour une personne comme ça. That's me!
Mais c'est quoi ça? Une rangée suffit. Mais c'était quoi ce zéro Gérol? Mais il l'a jamais passé comme ça. C'est presque le monster, hein. Ça fait 6 ans que ce coaster existe, il l'a jamais passé comme ça. Putain, j'en reviens pas. Ah. C'est possible, je pleure. Je pleure vraiment. Est-ce que je pleure d'émotion ou est-ce que je pleure à cause du vent? C'est, telle est la question. C'est les deux. Il fait pas chaud. T'as l'intensité qu'il avait dans le zéro Gérol. J'en reviens toujours pas. Oh la vache! Ah oui, tiens, c'est allumé en dessous. Non, c'est beau, il a tenu. Le rail de chaud, de la puissance. Eh, heureusement qu'ils allument pas les radios, parce que là, imagine. Ouais, quand vous venez, t'as le PE, le train en face et les morts. Voilà, les morts, c'est là. Il va falloir y aller parce que là le parc il est 1h du mat, mais regardez-moi cette puissance! Mais regardez-moi ça! C'est du n'importe quoi! C'est tout simplement énorme! Dire que mon dernier ride c'était le train 1 au last, mais c'était une tuerie! Mais c'était aussi le dernier, parce qu'il est plus d'une heure du mat. Mais c'est pas grave, je reviens samedi, toujours pour plus de nocturnes encore plus tard. Elle tient en respect le clown quand même. C'est ça. Ah, j'adore. Oh, ah, excellent. Oh, le jeu de scène, c'est terrible. Allez, fort. Je fais les gens à. Bon, on a vu, je suis parti avec la tête. Il y en a, je joue vraiment le jeu au maximum. Et il est caché derrière. C'est monsieur Bouboule Troutrou point point. Ici, tu écoutes? Vous devez envoyer votre boule le plus loin possible sous la grille et la faire atterrir dans un des trous. Plus le trou est loin, plus vous encrochez de points. Ça fait un effet onde de choc. Attention! Le temps est limité. Respectez le gouvernement, sinon vous êtes moins de points. Je résume. Bouboule Troutrou point point. Compris, crâne de bouche. Et au bout du bout du bout, il y aura un abominable cadeau. Une surprise écœurante. Une récompense scélérate. Ah, c'est pas Halloween, c'est carrément Noël. Tu te peux, tu te peux. Oh,
pendant tout ça, faut pas oublier que c'est quand même la dernière journée de la saison. Sniff, ça arrive trop vite. On va profiter des quelques dernières Aquaviris qui chauffent bien tranquillement. L'air pour surprendre le ride. J'ai pas envie. De coaster. Je suis pas très très rassuré. Je suis pas serein non plus, mais bon. Avec le froid qui fait en plus. J'ai pas peur, mais je suis pas très serein. Voilà. Au milieu du train, la panique à bord. Là, c'est clair qu'on va se les cailler dans ce ride. Ouais, déjà, je vous dirais si c'était quelque chose. Alors là, on va avoir très froid. Oh là là. C'est des travaux qui sont dans le cas à changer. On va se les cailler. Ouais. Et on est à Goudu. On va te faire de ses froids. Ah, mais je me suis pris de l'eau là, ça vient d'où? Il y a de l'eau dans le train. Ah, c'est dommage, il y a des hystériques dans le train. Ah, est-ce que non? Oh la vache. Ah non, mais là on va devenir bleu là. Ça sent la graisse haute température. Ah oui. Ça sent bon la graisse. Goudurix est une machine bien huilée, voyons. C'est bien connu. Ou alors ça va de l'hôtel. Ah oui. Chauffe au charbon. À l'ancienne. Derrière. Oh, on a quand même un joli ciel, hein. C'est pas dégueu là. Bien mis le chauffage à l'hôtel. Il n'y a personne au centre de convention. Et pendant ce temps, nous, on va avoir froid. Oh putain, oui, ça va geler. Ça va geler. Wouhou. Butterfly. Aïe. Oh la vache. Wow. Il n'y a pas de voile gris au moins. Batwing. Aïe, aïe. Attention, corkscrew. Et le virage de merde. Aïe. Oh la vache. Ah. Ah oui, c'est froid. Je te jure. Paye ton glaçon, hein. Un congélateur, le vent. Ride au glaçon de Goudurix. C'est clair. Oh non, on va s'arrêter au frein, il est pas parti. Au moins, il a des freins qui régulent bien. Ah là, j'ai un gla. Il me faut un radiateur. Il me faut un... Comment chauffer les casseroles? Un radiant, mettez-moi un radiant. Ils sont en dessous de nous, mais ils marchent pour. Voilà, si c'est un radiant, je chauffe en 10 minutes. Hein. Il me faut un radiant vivant là.
Ah, je pense que l'histoire du bonnet, j'aurais pu vite comprendre. Ah, tu reviens. Ça gèle, ça caille. J'ai froid. Ou alors tu ressors une phrase de 2013, j'ai froid, réchauffez-moi. Mais non. Nous ne sommes pas dans la même attraction. Le radiant plutôt. Un peu de jeu, ça patine. Oh, c'est des détails très rassurants. C'est quoi toute cette fumée? La gare de Goudou qui nous enfume. La gare de Goudou est en feu. Mais oui, il y a de la fumée partout. Mais c'est génial comme ambiance. C'est super. C'est intéressant. Bon, du coup, on a testé Goudou très 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 froid. Donc, quasi pas de baf. Mais du coup, il nous a pas fait mal. Enfin, sauf si à un moment j'ai dit il fait pas mal et je m'en suis pris une grosse derrière. Genre, le karma il est arrivé, il a fait nope. Ah oui, du chaud, oh là là. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On ne sait pas encore. Bon bah c'est officiel. Malice, oui. Les caméras ne fonctionnent plus. Il n'y a plus les petites LED. Regarde, c'est ce que je les trains vois. Partent dans le noir. Et ils sont noirs. Il n'y a plus de loupiote. Allez, oui, regardez le show. Oh, c'est beau. Du magnifique avec du vert. Oh, que c'est magnifique. Je sais pas pourquoi j'ai envie de le regarder avant d'aller là-bas. Ouais, on a le temps. Bref, on voit même plus quel train c'est.
Il y a les lights du show. Difficile, très difficile. Nous avant on a tenté d'aller voir un peu ce qui se passait au cirque. Ça peut être sympa. C'était pas dégueu. Il y avait plusieurs styles. Bon, il y avait de la musique que j'aimais pas trop. Il y avait un peu de la dance techno un peu à l'ancienne. Et ça c'était sympa par contre. Oh putain, les lights bleus, c'est magnifique. C'est celle-là qu'il faut. C'est celle-là qu'on avait eu, je crois. On avait dû voir celle-là, je crois, il y a 3 ans. On en avait eu, je sais plus ce qu'on avait eu il y a 3 ans, mais. On avait raison, c'était le train 2. Parce que là on a vu pour le coup. C'est trop beau le violet. Ah mais on le bien c'est sûr qu'on a eu. Je bien crois. Sûr quand je le cadre on le voit plus. Ah. C'est ça que c'est celle-là qu'on a eu il y a 3 ans. À 3 ans on a eu le début du show donc on a dû avoir celle-là en light. C'est super. Et puis là, la carte, putain, ça éclaire bien le ride en plus, c'est, ça doit être tellement stylé. Il n'y en a pas beaucoup mais il y en a ce qu'il faut. J'ai froid, réchauffez-moi. Mais comme il n'y a personne qui peut me réchauffer, on va se contenter des magnifiques radiants en gare qui me permettent de battre dans les troches. Les oiseaux. Je sais pas si on va voir quelque chose parce que c'est pas très bien éclairé, mais on tente. Ambiance de malade pour la dernière journée. Mais on retourne quand même à nos coasters préférés. What the fuck? Oui, ils veulent tout casser, mais pas ici. Moi aussi, je vais tout casser, mais vous êtes pas de la même manière. Wouhou! Oh la vache! C'est pas facile, non? C'est clair. Ceinture de sécurité. Ça fait de la fumée. C'est froid. Et attention, il y a les radios qui vont se rallumer. Bah. Oh la vache. Oh. C'est juste. Oh, ça va être juste. Pile quand on sort, on a le feu quoi. Ouais. Ailleurs, regardez cette journée. Oh la vache, c'est énorme. Mettre le feu. Wouhou. Ah ouais. Et on sent chaud derrière. Oh énorme. Feu, feu. Oh, ça va être énorme. Wouhou. Attention. Wouah. Wouah, c'est énorme. Dive loop. Wouhou. Oh, c'est trop glace. Airtime! Zéro Gérald!
énorme. J'ai senti de la chaleur sur mes pieds. C'est un peu ah ouais. Oh la vache. On n'a jamais eu un ride aussi bien placé pendant le show. On a eu les flammes pendant tout du long, c'était parfait. Ah ouais. Elle a super bien terminé cette saison en plus. Pourquoi est-ce qu'on doit rentrer? Mais parce que le parc ferme malheureusement. C'est un excellent finish. Mais par contre on a très 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 bien terminé. C'était vraiment un final en beauté. Dans un congélateur. Tous ces rides d'Osiris, super chaud. Le show. Ils ont vraiment fait des trucs super en plus pour Perk sur le parc. Je ne sais plus parler, c'est à cause du froid. Notamment le DJ. Ouais non, ça c'était bien sympa l'air de rien. C'était quand même bien sympa aussi. Bon du coup, il va falloir rentrer. Malheureusement, j'ai pas envie. Ah, moi non plus, j'ai pas envie. On n'a pas envie de rentrer. Mais il faut, malheureusement. Oui, malheureusement. Donc du coup, je vous laisse. C'est pour le parc Astérix. On se dit à la saison prochaine. Osiris, j'espère que tu auras toujours plus de roues en nylon. On l'espère. À plus.